Coucou, 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 c'est Sarah avec eux. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la Fujibox. Mais oui, alors en fait ça fait très longtemps que je suis plus abonné à Fujibox, mais il me restait deux box. Celle-là date de août 2016, donc vu que c'est des trucs sous vide. Normalement c'est bon. Hein. Si on est malade, ce sera marrant. Si vraiment on voit que c'est pas beau, on prend pas. Mais des fois il y a des trucs qui sont pas beaux. Faut sentir d'abord. Et donc comme d'habitude, c'est une vidéo à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il faut deviner ce qu'il y a à chacun notre tour. On fait gna 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 gna. Et pour commencer, tu te rappelles comment on fait? Shifumi. Il n'y a pas le droit au Spock et au lézard. Hein. Oui. Shifumi, 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 ah, deux partout. Shifumi. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus pour les ouvertures japonaises parce que nous, bah, ça nous fait plaisir. Voilà. Et si ça vous plaît, on fera des dégustations de Justin Bridou. Et de fromage avec de la bière, c'est cool aussi ça. Samedi soir, on fait des lives d'apéro. À la vôtre. À la vôtre. C'est de pire en pire la S-Family parce que avant on avait genre des verres d'eau pour les Fujibox. Mais grave. On est à la Fujibox à la bière, c'est oui. N'importe quoi. C'est bon. Non, mais c'est le papier bulle comme d'hab, il le fout, je sais pas comment. Tu prends un truc au hasard. J'ai pris au hasard, il y avait ça. Le packaging va trop te plaire après. Oh, c'est du Pikachu. Non, tu verras. Oh, c'est trop bien. Je pense que la mise au point n'est pas trop mal. C'est sucré, salé. Je pense que c'est sucré. Ah d'accord, c'est son emballage individuel, donc il y a des jaunes et des bleus. Bah je peux goûter un jaune. Hein. Non, je veux un bleu. D'accord. Non, je veux un jaune. Bah non, bah non. Mais... Je veux un jaune. Tu me donnes mes casse-couilles. Mais le bleu, c'est à corde Stitch, alors c'est je veux bon. Un bleu. Ouais, c'est trop tard, le jaune est ouvert. Oh putain, c'est trop bien. C'est un petit sachet individuel et dedans il y a deux unités du truc. Deux unités. Oui. Faudra croquer parce que c'est long. On dirait un poki. Ah. Ah, c'est pas bon. Ah, la pique la mort! Elle m'a piqué sur les côtés de la bouche. C'est avec pas du sucre qui est pétit, ça? Non, ça pétit pas, mais c'est pas bon. Hein. C'est pas au coca? Alors, le goût, je peux pas dire. Hein. Ah non, ça a le goût des. Je sais, ça a le goût des boules de chewing-gum là qu'on prend dans les petits distributeurs, tu sais. C'est ça. C'est des bâtons longs. Ah. Il y en a deux par sachet. Et t'as vu, c'est les filets de Pikachu. Oh, Pika. C'est mignon. Que là, il y a un espèce de truc sur le packaging où c'est marqué. Mais le bleu plus le vert, ça pique la mort. Tu conseilles? Ouais, c'est les deux ensemble. Au début, je croyais que c'est comme un poki, c'est bah ouais, un gâteau. Et en fait, non, c'est que du bonbon. Bah, on va manger les deux en même temps, voir si ça pique la mort. Ça, c'est hyper sucré. Ça pique pas à moi. Pas du tout. Comme d'hab, le packaging est super beau. Pourquoi on n'a pas des trucs comme ça en France? Voilà. Ah. Mais par contre, c'est bah, super bon. Hein. Franchement, hein. C'est hyper sucré, c'est tout quoi. Bah, c'est ça. Ah, c'est trop mignon. Oh, moi, c'est trop chouchou. Ça a l'air sucré ou salé? C'est sucré. Oh putain, j'ai du salé moi. Un bon truc de calmar là. Je veux du salé, des nanas. Ah, mais c'est un truc à fabriquer. Oui, voilà. Ah bah tu l'as ouvert toi. Donc ça en fait oui, tu mélanges, tu suis la recette, tu fais tes machins. Et on en a quelques-uns en stock et on avait dit qu'on ferait une vidéo cuisine. Ah oui, avec les où on fabrique. Et tout. Voilà, bah c'est ça, on pourra fabriquer des petits... Croûte comme... de licorne. Ah mais non, c'est de la, une espèce de guimauve là. Les commentaires. Les commentaires, vous nous dites si ça vous intéresse qu'on fasse des fabrications de ça. Là. Comme font Guillaume et Kim là, c'est super marrant. Oui, oui, oui. Donc si je peux copier un concept allègrement... Bah je le fais, ça me gagne, voilà. C'est un gros paquet, donc ça doit être du salé. Salé, 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 salé. Ouais. Yes. Donc est-ce que tu peux deviner le goût, toi? Bah tu sais quel goût c'est ou... Il y a deux petits aliments, donc oui. J'essaie de deviner. Oh, ça sent flabon. Ça sent comme les gâteaux au bacon, là. Bah c'est un chips. Oui. Qui pique, pas énorme mais qui pique. Donc là tu peux trouver déjà un des ingrédients. Piment. Non. Wasabi? Oui. Ah, sans déconner. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu le goût de wasabi. Oui. Avec de la viande? Oui. Du poulet? Mmh... Porc. Non. Du canard. Du bœuf. Moi je dirais plutôt du bœuf. Bah j'ai deviné. Et oui t'as deviné. Non c'est du canard ça. Comment tu sais que c'est du canard? On dirait bah ça du se voit. Non le canard tu l'entailles comme ça sur la peau quand tu le cuisines. Ça c'est le genre de truc que tu manges ce soir avec les bières quoi, sans problème. En même temps c'est des chips au wasabi quoi, après la viande, moi le canard je sens pas trop. Il y a des trucs au wasabi ils sont pas bons là, c'est bien, c'est... Oui. Ça pique mais pas trop toi. Yamayoshi. Yamayoshi. Et on n'a pas forcément d'équivalence en France avec un truc comme ça. Pas forcément en chips, mais je dirais en gâteau apéro, en wasabi, petits, ouais. Wasabi, qui sont, soit dit en passant, un peu plus forts, qui piquent un peu plus. Ouais, carrément. Bah, les petits pois là, les machins, oui, ça pique grave. Oh, cool! Alors, le goût par contre, je sais qu'il y en a des sucrés, mais je pense que c'est salé. Par contre, je peux pas du tout te dire le goût. D'accord. Tu vas vite reconnaître ce que c'est en tout cas. Ah non! C'est les bites. Rappelle les bites? À la crevette. Ah, c'est pas bon. Bah si c'est à la crevette, ça. À ça la crevette ou au poisson. Ouais. C'est un chat avec un scientifique, c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon. Ah putain, c'est pas bon du tout. Non. Ça est sucré, ça est sucré, ça va. C'est plus sucré, je pense. Oh, c'est de la merde. Hyper facile de deviner le goût. Et la photo, donc. Bon bah d'accord. Donc voilà. Au chamallow. Non. À la mayonnaise. Sucré à la mayonnaise. Non. À la rhubarbe. Non. Au raisin. Un fruit. Oui, un fruit. La pêche. Non. La cerise. Non. La prune. Sans le, tu le sais direct. Non, tu reconnais pas? Non. Attends. C'est en train de venir en moi là. Non, mais je te jure. Je te jure, l'odeur, je suis en train de l'associer. Merde, attends.
Fais-moi bouffer. T'as l'air croquant, gluant, mais oh, croque et croque mort. C'est quoi ce truc? C'est gluant, merde. C'est quoi ce truc? Oh non. C'est quoi ce goût? Raisin? Non, c'est facile. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas. Mais je sais, je connais. Un fruit d'été. Bah, c'est pas la fraise quand même. Non, pas un fruit rouge. La poire, la pomme. T'es pas loin, mais c'est pas ça. Un coin? Non. La banane? Non. C'est vrai? Non. Mais ça a trop le goût en plus. Mais oui, mais j'arrive pas. C'est trop bizarre, c'est fermé, je te jure. Un fruit jaune. Pêche, une prune. Mm-hmm. Ah, attends. Ah, ça vient. Putain, j'ai le goût. Il y a des petits picots. Quand tu les plus, tu te piques un peu les doigts. Litchi? Non, c'est beaucoup plus gros que ça. Un ananas, putain, oui, ça goûte l'ananas, voilà. Ça meurt. Putain, mais je te jure. C'est trop bizarre, je te jure. Putain, ça grave le goût d'ananas. Ouais, ça sent l'ananas. Trop, oui, mais trop. Ça sent les paniers d'yoplait à l'ananas. Mais putain, ça mais grave. C'est super l'ananas, quoi. Par contre, c'est super bon, ouais. Ouais, c'est cool. Ferme les oreilles. Oui, t'es émotion. Trop cool. Alors toi, je crois que pas que tu connaisses, c'est à l'effigie d'un jeu qui est trop cool, un jeu Nintendo. C'est assez récent en fait comme jeu Nintendo, c'est une licence qui est apparue avec la Wii U. Ah oui, non, je connais pas la Wii U. Les goûts, je ne peux pas savoir, par contre, je peux te dire que c'est sucré. Donc ça sent bon. Oh, ça pue les chaussettes. Je te donne un orange, moi je prends un vert. Ah, c'est un bonbon. Oh, ouais, je crois qu'ils sont mous, je m'attendais pas à ça. Ils sont durs quand tu les tiens dans les mains, mais en fait ils sont tout mous. Ah, le vert est bon. Bah, c'est bon par contre au niveau du goût, c'est un bonbon quoi. J'ai goûté le orange pour te dire. C'est un goût de bonbon quoi. Alors, c'est le jeu vidéo Splatoon, tu connais pas? Non. C'est une grosse licence Nintendo où tu as des pistolets de peinture. Mmh. Et tu coloris et t'as des pieuvres. En vrai, le vert est meilleur. Hein. Ouais. Mmh. À la pomme. Au sgeg. Au sgeg. C'est à gousse geg. Je ferme les yeux. Oh, il y a un cadeau. C'est une gacha, mais de quoi? Une gachapon de quoi? Ouvre, on verra. C'est quoi? C'est trop mignon. On sent, tu nounours. C'est un nounours. Et de quelle licence? C'est même pas marqué. Ah oui, mais c'est comme la dernière fois. Là, c'est okay. Un petit nounours, on sait pas d'où il vient. Si ouais. Vous savez d'où ça vient, dites-le nous. J'aurais préféré un truc un peu connu, quoi. Bah ouais. Genre un Pokémon. Quand j'ai vu les couleurs, je trouvais que c'était Chihiro. L'homme sans tête là, ouais, avec le masque. Bah ouais. Bah écoutez, Fujibox, la prochaine fois, vous nous mettez une licence qu'on connaît. Vas-y, je suis en blé. Zuvo. Oh, encore ça. Encore une bite. Ouais, putain, bah, y'a ça... que ça. Ça s'appelle les Umaibo. Attends, on va tourner. Ça pue, hein. Ça sent le sueur, encore une fois, c'est vraiment dégueu. En vrai, c'est bon. Là, ça pique. Ah, oh, moi, j'aime pas du tout. Ah, j'aime bien, moi. Ah, j'aime bien, moi. Ah, on dirait tomate. Papier. Ah, c'est pas du tout. Pour ouvrir les yeux, y'a rien, en fait, sur l'emballage, on regarde. Y'a un papy, ouais. C'est au papy. Une brochette. Non, c'est sa canne. Ah, c'est une canne, ça. Oui. What? On dirait des tétés. Ah, non. On est censé manger ça comment? C'est un peu bizarre, parce que là, y'a un petit paquet en bas. On va voir ce qu'il y a dans le petit paquet. What? Ah, c'est un jouet, d'accord. Donc, on a un petit jouet dedans. Ok. Et moi, comment le... Attends, d'abord. Ouais, ça sent super bon. Ouais. Mais ça sent le fort de l'ombre. Je sais à quel goût c'est. Si tu veux avoir le jouet dans les mains, tiens, déjà, pour deviner ce que c'est. Ah, c'est une petite voiture, ouais, avec des roues. Ouais, en plastoc jaune, merci. Si vous dire en plastoc de merde, tu verras après. Je sais pas du tout comment ça se mange. Je le mets entier dans la bouche, mais je sais pas si ça suce, ça se croque, je comprends pas. Ah, oh, ça croque. Ah, ça croque. Ah, c'est marrant, la texture, c'est comme les colliers, non? Ouais. Ça fait un peu. Ouais, déjà. Ça sent fort et c'est fort, hein. Ça viole la bouche. Ah, une explosion de goût, c'est un fruit. Un fruit? C'est pas une fraise? Non. Un fruit rouge en tout cas, non? Du raisin? Non. Ouais, t'as vu? On a un dessin. Ah, ouais, c'est ça. Et là, il y avait une boîte. Et la boîte, tu vois? Ah, c'est trop pourri! C'est vraiment la peine, hein! La petite voiture avec les petites roues là! La boîte est plus jolie que le jouet, quoi! C'est clair! Mais par contre, la texture, alors ouais, ça rappelle vraiment les colliers! Ça me rappelle l'odeur du stylo bic quand on était gamin! Il y en avait des stylos bic avec différents parfums! Et moi, mon préféré c'était le raisin! T'écrivais violet, ça sentait le raisin! C'est vrai que ça sent le stylo bic, ouais! Bon, à toi! La la la! Arrête de crier! Merde! Ah, on a déjà eu ça! Nan nan nan! C'est salé? Non. Sucré? Oui. C'est des petits gâteaux. C'est des gâteaux mous. T'as pas de goût. Il y a un dessin sur la boîte, mais honnêtement, il n'y a aucun goût. Chocolat? Non, non. Caramel? Non. C'est pas un fruit, c'est un. Bah si. What? Après, c'est qu'un dessin, ça se trouve, c'est juste pour illustrer, mais. Bah non. Fraise? Non, mais ça a trop pas le goût de fruit. Fruit rouge? Ça a plus le goût de chocolat, limite. Un gros fruit d'été. La pastèque? Ouais. What? C'est ça. C'est trop bizarre, hein. Ça a pas le goût du tout. En fait, c'est pas mauvais, mais ça a pas de goût, quoi. Bah, ça a pas de goût tout de suite, et puis après, il y a un petit arrière-goût chocolat, caramel. Fraise. Tu peux regarder, ça déjà, c'est trop bizarre. Il y a une 3DS en dessin. Les nouilles au porc. Et c'est bien marqué qu'il faut mettre de l'eau et pas le mettre au micro-ondes. What de ouf, c'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est tout petit et c'est un sachet. Regardez, hop. Ça sent ça vraiment bizarre. Ça sent pas des masses, hein. Avec ton grand nez, quand même. Oh, ta gueule. Je vais casser en deux, le... Mais attends. T'as des milliers de sang. Donc vas-y. Hop. Et c'est quoi? T'as un gâteau. Je vais recracher. Et bizarre, au début, c'est tout mou, mais c'est bon. Par contre, tu l'as léché, donc je sais pas si c'est très bon. Il est tout mouillé, ton truc. Ouais. Ah, c'est pas mal, mais. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est pas terrible, en fait. Oh non. Ah, c'est pas bon. Par contre, va falloir m'expliquer juste un truc. Je sais ce que c'est. C'est censé être un sablé breton au beurre salé. Tout ce que tu veux, il y a un Mont-Saint-Michel. Oh non. C'est sûr, salty. De con. Hein. T'as rien à voir, quoi. C'est tout mou. C'est comme le saké qu'on a dans un restaurant chinois, peut-être. C'est comme le wasabi dans Carrefour, quoi. C'est ça. Waouh, 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 waouh. Non, non, non. Bonne pioche.
ça a l'air hyper dégueu. Non, c'est du calamar. Ça a l'air vivant. Granada, tu choperas. Ça a l'air vivant. Par contre, attention, granada, attends, sans déconner. 16, 12, 29. Ça fait quoi dans le bon ordre de chez nous? Le 29, 12, 16. Bah, donc c'est super trop périmé. Ah ouais. Ah. Non, moi je bouffe pas ça. Si c'est un truc un peu mou de la mer, périmé depuis 6 mois, c'est mort. C'est quoi? 100. Ah non, non, non. Ah, en plus ça colle. Ah non, 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 non. Mais attends, c'est con. Je sais pas ce que c'est. C'est de la viande ou c'est de la viande ça. Bon, bah ça c'est périmé, puis ça pue la mort. Mais et... ça sent le poisson alors que c'est censé être de la viande. Quoi. Ouais, pour moi c'est de la viande ça, hein, la photo, non? On va pas tester. Bon, bah c'est à toi. Donc on a le papier déjà, je vais le sortir, je vais pas regarder. Voilà, ça. Et c'est fini, mais alors du coup, je vais te goûter ça. Mets dans ta main déjà pour voir ce que c'est. Non, je déconne, c'est le même gâteau que tout à l'heure. Ah, vas-y, tu peux ouvrir les yeux. Ah, on a fini. Il y en avait un deuxième. Ouais, on avait fini. C'est dégueu. Oh, c'était pas terrible. Hein. Ah, on va pouvoir voir un peu ce que c'était. Les bonbons Splatoon. Vraiment bon. Ça, la texture est bon, hyper agréable. Ouais. Ces bonbons inspirés de l'excellent jeu vidéo Splatoon sont en forme de petits calamars, comme dans le jeu. Orange et melon. Le vert, c'est melon. Bah, c'est bon, hein. Mais melon. Je crois que c'était pomme. Ça, Karipori Pokémon. Avec l'immense phénomène Pokémon Go, nous devions absolument choisir un produit Pokémon. Ces bâtonnets croquants et pétillants sont au soda ou à l'orange. Ah, t'es des conneries. Ouais, franchement, ça avait le goût de rien du tout. La fabrique de bonbons, là, c'est fabrique toi-même des bonbons originaux au goût soda. Ok. Des trucs qui sont censés être à la pastèque. Ouais, qui ont pas de goût. Ces snacks sont en forme d'étoiles, sont au riz soufflé et ont un goût de pastèque. C'est vraiment ça, quoi. Ok. Ah, les chips wasabi. Ça. Trop. Ces chips très originales vont vous surprendre avec un goût wasabi et bœuf. Oh regarde, on dirait une tête de Pac-Man. Le truc de ramen, c'est des ramen au curry. Les ramen sont des mets japonais constitués de pâtes. Merci. Merci. Ça, le truc qu'on n'a pas voulu manger. Ouais, voici des tranches d'anguilles séchées. Ah. Vous pouvez les manger nature ou avec du riz. Je connais quelqu'un qui le mangerait même si c'est périmé. C'est dégueulasse, c'est moche. Salty lemon. Oui, du coup, c'était... C'est des cookies au citron originaux puisqu'ils sont légèrement salés pour faire ressortir leur goût. Il y a bien un Mont-Saint-Michel, hein. C'est sûr que c'est Mont-Saint-Michel. Ça, ouais, ça se voit. Donc ils ont voulu se la jouer, mais non. Le truc à l'ananas qui est très bon. Ouais. Ça s'appelle un Gaburichu ananas. Si Gaburichu. Gaburichu. Si vous aimez les fruits exotiques, vous aimerez forcément ce bâtonnet mou au goût ananas. Alors les bonbons au raisin, hyper forts là. Ils font le bonheur des enfants au Japon, car lorsque l'on souffle au travers, ils sifflent. Ah bon? Les gros gamins. Ça marche trop bien, sa mère. Le Maibu Natu. Ah, Natu comme la youtubeuse. C'était quoi ça? Alors, ah, c'était... les bites. Celui-là, le traditionnel Umaibo au maïs soufflé de la Fuji Box au goût natu, aliment traditionnel à base de haricots de soja fermentés. Bah comment tu veux qu'on devine? Faut s'y connaître. Et ça vient pas de chez nous ça. C'est un Umaibo mentai, c'est comme le hentai avec un M. C'est à base de rogue de colin. Oh. Moi je vais bouffer mes chips au bout. Ah, parce cool. Qu'il n'y a pas à dire, c'est vachement bon. À la votre campagne. Et bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est comme mettez un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu vers le haut. Un petit abonnement si ça ferait plaisir. Parce que les abonnements c'est charmant. Et puis bah, laissez un commentaire pour nous raconter un peu si vous aussi vous bouffez des trucs japonais. Et pour nous dire aussi si vous, ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos sur la fabrication. Ça peut être rigolo dans une cuisine tous les deux. Et si vous connaissez le petit chat. Mais il n'y a pas à connaître, il n'y a même pas de référence, il n'y a rien. Regarde, rien quoi. C'est triste, il est tout seul. Sur ce, les amis, on vous fait des gros bisous. Gros bisous, bonne soirée, à bientôt. À bientôt, c'est très raciste. Mais comment j'arrête cette caméra? Pourtant, c'est nous qui l'avons fabriquée.